didn't even get some calls. Yo les gens, c'est G.I. John Doe et je nous retrouve pour une petite vidéo sur Destiny. J'espère que ça va très bien. Moi ça va nickel, j'ai la patate, j'ai les petits échos en même temps. Et on est parti pour une petite vidéo sur Destiny. Donc pour une petite compilation de trois petits événements. Donc Athéon en 14 secondes me semble-t-il, on s'en bat un peu les couilles du temps. C'est juste le fait qu'il est mort super vite qui est intéressant, hein. On n'est pas là pour faire un world record. Deuxième petite phase, donc comme je vous l'ai promis, la vidéo Athéon Speedkill, hein, idée par Mergin qui a été upload sur sa chaîne il y a déjà bien 3-4 jours. Alors, c'était son idée, donc on s'est fait plaisir à tuer Athéon en Speedkill, c'est-à-dire qu'on n'a pas été TP. Et le but était simplement de buter Athéon le plus rapidement possible sans se faire TP. C'est-à-dire dès qu'on spawn, on lui défonce sa race, on se suicide pour pas être TP, on respawn pour respawn devant lui. Normalement, si tout se passe bien, il ne bouge plus, on lui démonte la gueule à la grenade et au Xala et on le termine. Et c'est pour ça que c'est un petit Speedkill, je crois qu'il a duré un petit peu moins d'une minute. Donc c'est la façon la plus rapide de le tuer, même la façon de se faire TP est beaucoup plus lente, le temps de détruire les oracles, etc. Et pour finir, le Nexus. Alors vous allez dire, le Nexus, wesh, c'est tranquille, ça pue la merde. Il est mort à une vitesse, vous allez le voir, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai pas compris, hein, on lui a pas mis extrêmement beaucoup, enfin voilà, quand... J'étais avec deux randoms en plus, j'étais pas avec deux potes, hein, j'étais avec deux randoms. Et on lui a démonté la tronche avec tout ce qu'on avait et il est mort mais à une vitesse, j'ai jamais vu ça. Le truc, et je crois qu'il y a même eu un bug parce qu'il lui restait la moitié de sa vie, il est mort d'un coup. Autant j'en ai vu des bugs comme ça de vie mais sur un boss comme celui-là, non jamais. Enfin bref, voilà, donc c'est parti pour Athéon Speedkill hein, au passage. Vous avez vu qu'il a même pas eu le temps de spawn, qu'il a déjà pris Bagdad sur la tronche. Donc voilà, donc le but comme je l'ai dit, hein, simplement de l'allumer avec absolument tout ce qu'on a. Et une fois, vous avez dit que moi je pensais personnellement quand Mergin m'avait soumis cette idée, je me suis dit bah, c'est pas possible, il prend pas assez de dégâts pour qu'on le tue comme ça. Et au final il prend bien bien cher. Et j'adore un petit peu cette séquence parce que vous allez voir quand on va se régène et qu'on va avoir détruit les entraves, la pluie de grenades qui va y arriver sur la tête, moi je trouve ça magnifique. Autant la pluie de Jalorn, c'est stylé, mais alors une pluie de grenades, regardez la pluie de grenades, c'est juste mais tellement stylé quoi. Et encore c'est que le début, après ça part plus. Enfin bref, c'est carrément énorme, moi j'adore ça. On l'a fait deux fois, t'es en speed kill. Je crois celle-là c'est la plus. Il me semble que c'est la plus rapide qu'on a fait, ouais. Là, bon, ça c'est la deuxième fois qu'on l'a fait. Franchement, il n'y a pas de world record, je sais pas quoi. Hein. Nous, on a fait ça pour triper. Juste pour vous dire, on a fait deux essais, deux fois on l'a fait. Donc, tout le monde peut le faire. Hein. Si à partir du moment où vous avez un Jalorn, c'est pas sorcier. Donc, voilà quoi. Je veux dire, il n'y a pas de difficulté. Tout le monde peut le faire. Si vous voulez amuser à le faire comme ça, vous prenez chacun votre arcaniste. Et puis, vous faites plaisir. Je veux dire, après, c'est une technique qui est faisable qu'avec des arcas. Vous pouvez pas le faire à chaque fois que vous faites le caveau, malheureusement. Hein, puisque faut la résie obligatoire, donc voilà, il n'y a pas l'aspect world record, je sais pas quoi, hein, c'est juste pour se triper. On a tellement plus rien à foutre sur ce jeu là qu'on fait des victimisations d'Athéon de 10 millions de manières différentes. Hein, le pauvre il prend cher, le con, mais bon, c'est pas sa faute, hein, il est né consanguin, on peut rien pour lui. Enfin bref, c'est voilà. Donc la petite partie Nexus, regardez la vie qu'il lui reste. Je vais tirer le restant de Mekjala, je vais tourner à droite pour aller chercher des roquettes. Regardez la vie qu'il reste, hein. Regarde, et boum, il est mort. Mais what the fuck. Enfin bref, c'est pas grave. Comme quoi, même le cousin d'Athéon s'est victimisé. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, les Vex ils sont cons. En attendant, je vous dis à la fois prochaine hein, pour une prochaine vidéo les gens. Et ciao, bye bye.